simple d'écrire une chaîne. C'est pas simple d'arriver à 5h moins le quart, puis de te dire, tiens, faut vite que je fume une cigarette. Je mets mon tablier, je prends mes outils, je mets une dernière cigarette avant la sonnette. Et puis, à 5h moins le quart, et la sonnette. Et c'est triste, c'est triste. Travail que tu fais. Tu y penses, machine, c'est tout par réflexe. Tu sais qu'il faut mettre une agrafe à gauche, une agrafe à droite. Tu engueules ton agrafeuse quand elle va mal. Tu t'engueules toi-même, t'arrives à t'engueuler toi-même quand tu te blesses. Alors que c'est pas de ta faute, c'est de la faute des montages qui sont mal faits. Ou bien il t'engueule parce que le boulot est mal fait. Tout le monde en a rien à foutre. J'en suis certain, tout le monde s'en fout. Devant nous, il n'y a rien. Il n'y a rien à la promotion, non, il ne faut pas y compter. Ce qui est dur, en fin de compte, c'est d'avoir un métier dans les mains. Moi, je vois, je suis ajusteur. C'est 3 ans d'ajustage. Pendant 3 ans, j'ai été promu à l'école, dans mon CET. Et puis, qu'est-ce que j'en ai fait? Au bout de 5 ans, je peux plus me servir de mes mains. J'ai mal aux mains. J'ai un doigt, le gros, j'ai du mal à le bouger. J'ai du mal à toucher 2 minutes le soir. Ça me fait mal aux mains. La gamine, quand je la change, je peux pas lui dégrafer ses boutons. Tu sais, t'as envie de pleurer dans ces coups de temps-là. Ça, tu comprends, t'as du mal à écrire, j'ai du mal à écrire, j'ai de plus en plus de mal à m'exprimer, ça aussi c'est la chaîne, bon. C'est dur de, quand t'as pas parlé pendant 9 heures, t'as tellement de choses à dire, que t'arrives plus à les dire, que les mots, ils arrivent tous ensemble dans la bouche, et puis, tu bégayes, tu t'énerves, tout t'énerve, tout, et ceux qui t'énervent encore plus, c'est ceux qui parlent de la chaîne, puis qui ne comprendront jamais que c'est, que tout ce qu'on peut en dire, que toutes les améliorations qu'on peut lui apporter, c'est une chose, mais que le travail y reste. C'est dur la chaîne. Moi maintenant je ne peux plus y aller, j'ai la trouille d'y aller. C'est pas le manque de volonté, c'est la peur d'y aller. La peur qui mutile encore davantage. La peur que je puisse plus parler un jour, que je devienne muet. Et puis quel débouché qu'on a. Je suis rentré à 18 ans, je sais pas, je m'en sortant de l'école. Je te dis, j'ai tellement mal aux mains, j'ai tellement des grosses mains, mes mains me dégoûtent tellement. Pourtant, je les aime tellement, mes mains. Je sens que je pourrais faire des trucs avec, mais j'ai du mal à plier les doigts. Ma peau est sans mal. Je vais pas me l'arracher. C'est Peugeot qui me l'arrachera. Je lutterai pour éviter que Peugeot me l'arrache. C'est pour ça que je veux pas m'arracher ma peau. Je veux pas. Je veux pas qu'on y touche mes mains. C'est tout ce qu'on a. Peugeot essaie de nous les bouffer, de nous les user. Là, on lutte pour les avoir. C'est de la survie qu'on fait.